Il m'a demandé si je voulais bien l'épouser. J'ai dit oui, tiens, pourquoi pas, c'est l'occasion de se marrer. Il m'a regardé, ses yeux sont devenus foncés. C'est que les choses sérieuses allaient commencer. Il m'a emmené près de la rue des Hauts Pavés, dans ce petit magasin de photos diverses et variées. On a regardé ces couples de jeunes mariés, prenant intelligemment des poses et des airs détachés. Du choix pour s'inspirer de l'un d'eux et immortaliser la joie qui nous transperçait, qui nous rendait joliment gais, si heureux, si plein de bonheur à venir que j'en baillais. Ma chérie, tu vois la fille au fond sous les lilas, en Amazon avec le bras désinvolte, on dirait toi. Oui, c'est un peu vrai, mais je lui trouve le regard niais. C'est à ça que je pensais quand j'ai dit qu'elle te ressemblait. Les bas jaunes dans les fleurs, la jeune épouse en crampons serre un ballon contre son cœur. C'est l'amour du sport, le foot est plus fort que la mort. Les serments dans les gradins, allez le stade et je t'adore. Et là, quelle erreur, la mariée, elle a peur. Mais non, c'est du naturel puisqu'elle est femme de chasseur. Un gibier encore si frais qu'on dirait qu'il dort, jeté par-dessus l'épaule de l'époux. Voilà le décor. Le mari brandissent-elles un trophée, des roues de vélo défraîchies. Monsieur est cycliste et sa photo très fantaisiste, mais qu'en serait-il s'il était sumo ou véliplanchiste? Et là, celui-ci sous ses médailles et son képi, qu'il est attirant, qu'il est beau et comme il me fait envie. Pour clore la liste, regarde-moi cet air triste de la fille qui regrette mais qui va entrer en piste. Allez.